Merci PM pour opportunité ça ben nous l'autre fois encore pour nous informer pays le monde entier sous évolution enquête qui dirigeante dans le cas assassinat président nous. Fondine gain deux dans cas d'investigation ça gain deux niveaux d'enquête qui commencé. La première enquête c'est l'enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous relais responsables, inspection générale prend des mesures conservatoires et n'a continué à chercher information pour garder le degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qui a conduite par la direction centrale de la police judiciaire, nous sommes en phase très avancée. Par rapport à la présentation que nous avons faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui font partie de commando ça qui a attaqué la résidence président. De 26, nous, de vendredi à jeudi, il y a un qui récupéré avec appui population en Colombien et bon l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus aux haïtiens que nous avons arrêté récemment. Monsieur Sahar, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a été mené nous. Caille individu ça. Et m'a dit, jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance à eux que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques mouns à eux qui t'apprennent dans un premier temps assurer sécurité business li, tête palée en tant que président de la République. Mission qui était gagnée au départ, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon. Mais par la suite, mission a changé. Bien entendu, information Sanon, nous recueillons une enquête entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens Sanon en présence de mon interprète et qui est dûment autorisé pour faire ça. Mission vient de changer. Ils ont présenté à Yon Nassayansayo un mandat pour y aller procéder à l'arrestation du président de la République. Là. Mandat ça très connu, la psychologie, nous connaissons tout qu'on est. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 lots assaillants qui viennent rentrer sur une première équipe là. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, lui était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité
une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Le nous, en tant que la police, nous bloquer pour progression bandit ça, le fin perpétré crime ça, premier monde que yon na sa yon rele, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué que nous reconnaître comme nous avons venu au fur et à mesure avec Elimayo comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue de la caille, Christian Emmanuel Sanon, nous jouons au képi qui écrit DEA, nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet, nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm, nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine, nous jouons un chargeur de pistolet non garni, nous jouons 24 cibles de tir non utilisées, 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. N'a profité pour nous dire tout, gagner plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration nous pour permettre nous retracer éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui était en communication avec la Colombie et source de financement yo, qui est-ce qui paye yo, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CTU, la firme que nous parlons, nous, est basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour nous partager avec la presse, la population et le monde entier pour nous dire que le gouvernement, la police, là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous auteur intellectuel, parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens. Qui souterrain. Il y a 5 là-dedans qui sont en cavale. Nous avons dit la population pour continuer à contribuer, aider la police à rechercher yo, parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans de yo, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le dossier ça. Merci. Nous remercions la presse. Nous comprenons que c'est un dossier qui est extrêmement sensible. Et nous disons éviter, surtout éviter les réseaux sociaux, parce que je ne remarque à chaque fois qu'il y a un élément d'information qui est important, le gouvernement est le 6 juillet qui se passe là. Dans ce sens, nous connaissons c'est tout le gouvernement qui est vraiment mobilisé 24 sur 24. Sous leadership Premier ministre Dr. Claude Joseph, pour que toute lumière possible arrive faite sous Zak Sal sa. CSPN, la police, tout le monde mobilisé, chaque niveau par yo, et enquête là vraiment a pas avancé dans le bon sens là. Sans prendre trop de temps, m'a passé PM dans la parole, qui lui-même a placé Mopal dans l'occasion ça. Merci tout le monde, et merci à la presse locale. Qui nous c'est des infatigables. Merci également à les médias et étrangers qui dans le pays, parce que j'ai nous tous connaissons, nous avons traversé un moment, nous sommes capables de dire, qui est extrêmement difficile, qui est caractérisé par
la mort tragique d'un président qui est élu pour 5 ans, qui est en fonction. Drame ça, il n'a pas laissé personne monde indifférent. C'est ça que fait ma remercie la communauté internationale là, mais particulièrement Premier ministre, chef gouvernement dans Caraïbes là, secrétaire d'État américain, hein, président et ministre affaires étrangères turc là, et ministre affaires étrangères pays Espagne, pour me citer ça seulement parce que moi recevoir en pile appel. Kite m'banon une bonne nouvelle, c'est que famille président, mais particulièrement madame Lee, qui subit une opération hier, mais étal li en forme. Nous parlé plusieurs fois hier, les lapsoti dans salle opération, moi t'ai honoré que c'était premier monde que le relé pour te dire que l'en forme, moi pas besoin inquiéter. Li connaît ça n'a pas géré là les plus difficiles. Ça n'a pas géré à ce qui ça, c'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique au président et que principale préoccupation c'est enquête là. Principale préoccupation moi-même comme premier ministre c'est enquête président pour le capable de une justice. Pour madame li capable de une justice, pour madame là, pour petit garçon yo capable de une justice, pour petite fille capable de une justice. Pour également allier l'examen capable de une justice. Et somme toute, pour nation capable de une justice. Moi, je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme yo. Parce que peut-être, plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des chocages. Population, depuis premier jour, il tendait appel gouvernement, appel premier ministre, qui c'était un appel au calme. Nous remercions population parce que les intelligents et l'agir avec vigilance pour te aider la police nationale à capturer Colombien yo avec deux Américain yo. Enquête là, c'est principale préoccupation. Yo. Parce que un président pas qu'à mourir dans conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale, là, particulièrement les amis aux États-Unis, qui déjà offrit aide-lui dans l'investigation, dans l'enquête là. Parce que le gouvernement croit que faut enquête là faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous allons aller. Je vais adresser encore, une autre fois, avec peuple haïtien pour me dire, restez calme, nous-mêmes, nous avons fait tout ça nous capable pour nous battre le président, pour nous faire jouer une justice. Bien pile, fauteur en nos troubles. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, ce n'est pas un bagage qui est capable d'être impuni. Nous, ouais, nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile précipitation, je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble. Pour nous capables de faire une justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça qui intéresse nos principales préoccupations, c'est faire une justice, c'est enquête là. Nous avons une précipitation, mais il y a tombé par propre tête pas. Parce que c'est la vérité qui peut blâmer, pas gagner un lien qui peut entraver le processus là, enquête là que la police a mené. Après trop long, m'a passé. Mikoa à DGAI, Police nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de l'autre élément nouveau dans le cadre d'éléments enquête sur assassinat, acte barbare sous président
Jovenel Moïse. Merci en pile.